Yo mes copains, mes copines. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine commence, de nouveaux objectifs. Aujourd'hui le programme du jour, attendez je vous pose. Le programme du jour, un programme très très simple pour ainsi dire. Je vais à la vaisselle, first of all, parce que là I am Cinderella. Impossible. Pas la chanson de la Cendrillon, mais t'as capté, c'est Cendrillon, Whitney Houston et Branch. Bon bref, je m'éparpille. Donc je vais faire la vaisselle. Ensuite, je dois faire deux gâteaux. Je dois faire un gâteau chocolat et un gâteau yaourt parce que je vais voir ma pote à l'hôpital tout à l'heure. Elle m'a demandé un gâteau chocolat. Vu qu'on est plusieurs, je vais faire un gâteau en plus parce que je sais qu'ils aiment bien le gâteau yaourt. Je vais en faire un et comme je dead. Et franchement, je vous jure, vous mangez mon gâteau, vous tombez amoureuse. C'est pour ça que j'ai pas de mec, mais bientôt ça va péter. Homme à mes pieds. Homme. On m'a fit. Et après, je dois faire quoi? Ensuite, j'aimerais bien aller à la salle de sport. Mais je sais pas à quelle heure on va revenir de l'hôpital, donc ça va dépendre de ça. Là, je voulais y aller vers 14h. Je voulais tester un nouvel horaire parce qu'on m'a dit aller à la salle vers 14-15h. C'est des horaires, il n'y a pas grand monde. Là, mais malheureusement, ça tombe sur l'heure à laquelle on doit être à l'hôpital. Je vais essayer d'aller ce soir à la salle de sport après l'hôpital, mais ça va dépendre juste de l'heure qu'on rentre de l'hôpital. Voilà. Et du coup, voilà quoi. Oh wow, non, je vous jure, les gars, today it's another level. Oh. Yeah. Ok, make me sway, make me tum, 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 tum. Make me lose my breath, make me tum, 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 tum. Bon, du coup, là, les gars, je me préparais parce qu'on va bientôt venir me chercher pour partir à l'hôpital. Et là, je vais faire ma skincare, mettre de la crème sur mon visage avant de sortir de chez moi parce que bon, c'est pour ressembler à un lézard. Merci, mais non, merci. Bon, du coup, là, les gars, je me prépare tranquillement pour partir à l'hôpital tout à l'heure avec mes copines. Mes deux gâteaux, je les ai réussis, donc je suis content. Par un, qui s'est mal démoulé, mais sinon, ça va. En soi, j'ai bien fait mon gâteau. Ça doit, il est bon, wesh. Ça pète. Et donc, du coup, voilà. Eh, les gars, je vous jure, depuis que j'utilise les produits Fenty Skin, ma peau, elle est trop belle. Je peux pas mentir, à la base, j'ai une belle peau grâce à ma génétique. Mais j'utilise ça, là, des produits Fenty. Et le produit pour les cernes. You can tell. Là, les gars, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai quoi. J'ai trop envie de retourner au Renaissance Tour. J'ai envie de refaire juste une date, genre. Juste le revoir une fois, genre. Mais bon. Voilà, genre. Toujours là, les gars, je serais dans une autre vie. Je sais pas, je serais quelqu'un qui a les moyens. Je serais parti au stade pour voir le Renaissance Tour. Je vous le dis. Ah, je vous le dis. Là, j'ai une envie de voir ce concert encore une dernière fois. Genre. Vas-y, Joe. Joe, le taxi, il va pas partout. Ah, je suis mort. Je me fais rire moi-même, les gars, c'est trop bien. Arrêtez de me juger, genre. J'ai une tête de con, de malade mental. En vrai, je fais caca. Wesh. Du coup, les gars, me voilà dans la voiture avec ma copine Farida qui est venue me chercher parce qu'elle est trop gentille, elle est trop belle. Because je suis son chauffeur Uber. Exactly. Direction voir notre copine, en fait. Period. Les gâteaux sont là dans le coffre. Period. Franchement, meilleure pâtissière du 9-4. Period. Moi-même. Period. Ça sort comme ça sort. Et voilà. On est beau, purée. Ah ouais, je te jure. Wow. Yeah. You look so dumb right now. C'est pas elle qui fait les balles tous les jours. Ah non. Du coup, nous sommes arrivés à l'hôpital. Et du coup, ça va être des photos à faire pour une OP, je crois, I guess. Yeah. Et du coup, je les ai pris en photo.
et voilà ce qu'elle fait dans les... C'est que faut à l'hôpital, en fait, je comprends. Ah, merci. Qui veut le star? Allô. Donc, du coup, voilà. Est-ce que je ressemble à... Alors, la dîme, à chaque... Ma kassoumba, la jamba, na waste time, ona. Eh ben, c'est qu'elle est bazooka, ona. Mr. Money want to waste time, Mr. Money want to eat, yoma. Du coup, mon gâteau a été apprécié par tous, franchement. Gabby King, period. Putain, I'm so cute. Timbaland, allez, oui. Faire en bas. Les fers. Un bâton. Des bâtons. Du coup, on est sorti de l'hôpital là, les gars. Et là, maintenant, on va manger parce que du coup, mes copines, comme ce sont des influenceuses qui ont du succès, elles ont été invitées par un restaurant. Et là, on va manger du coup à l'œil, en fait. Quelle grâce. Merci Ambre, merci Farida. Bon, là les gars, on pensait que la soirée était finie, et ben finalement, ça elle ne l'est pas. Voilà, parce que là, Farida va où? À l'hôpital. Wouh. Parce que elle s'est. Donc, c'est pas elle qui a cherché ça, en fait, on était à l'hôpital là, comme on vous a dit. Hein. On lui a ouvert la porte en panique, quoi. Donc, ouais. Du coup, la voilà blessée. On m'a ouvert. Voilà. On m'a défiguré. Et l'aide-soignante là-bas lui a dit qu'il pouvait faire des points de suture. Et elle pensait ne pas y aller, du coup. Quand on mangeait et tout, elle s'est décidée, elle a dit vas-y, on y va, genre. Donc, voilà le programme de la soirée. La deuxième partie, l'after finalement de la soirée, quoi. Donc, là, on va à l'hôpital. Je vous jure, j'ai déjà mal à la tête. J'ai mal à la tête. Parce que je me dis, on sait même pas à quelle heure on va finir, quoi. Ouais, les urgences, les gars. Les urgences. Moi, j'ai jamais été aux urgences. Moi non plus, le soir, jamais. J'y suis passée, mais je suis pas restée toute la nuit. Je me suis barrée parce que j'ai pas assumé, justement. Voilà. Mais toujours avec. Voilà. Donc là, nous allons en direction de l'hôpital et puis nous verrons. Qu'est-ce que. Voilà, nous verrons. Voilà. Nous voilà. Verrons. Finalement. Donc, finally. Oui. Nous verrons qu'est-ce qui se passe là-bas. Les gars, je suis au bout. Au sol. En fait, on est rentré de l'hôpital hier soir, je pense qu'il était 3h du matin. Je me suis pas endormi tout de suite. Hein. Que je me suis réveillé ce matin à 10h. Ensuite, je me suis recouché et j'ai plus bougé. Je devais aller à la salle de sport, j'ai pas été. Parce qu'en plus, là, la salle de sport, ça me saoule dans le sens où ma façon de m'alimenter, c'était pas du tout la bonne. Parce que je mangeais comme si je voulais perdre du poids alors qu'en gros, j'ai envie de prendre de la masse. Donc, du coup, tous les repas que je vous ai montrés, en gros, ils sont bien. Mais je pense qu'ils sont pas assez protéinés, les lipides, les calories, tout ça. Mais là, mon pote Kylie Rice, il m'a aidé, il m'a envoyé des TikTokers qui montrent comment faire à manger bien, bien prise de masse, bien à poutchou. Bien, voilà. Et là, avec ma mère, on doit appeler une assurance et tout. On doit faire une conférence. Parce que ma mère, en fait, dès que j'appelle les assurances, elle se met en conférence. Et quand, parce que moi, je suis nulle. Mais quand je vous dis, je suis nulle dans le truc d'assurance. Oh ah ouais, je suis nulle. Je suis nulle. Bref. Et du coup, on va se mettre en conférence et tout pour appeler ma mutuelle parce qu'ils ont fait des dingueries, là, je vous jure. En gros, j'ai fait une couronne il y a un an. Je vois, ma mutuelle, elle prend, mais genre vraiment très peu en charge la mutuelle, donc le remboursement de la couronne. Elle m'a demandé, est-ce que je peux être un peu plus couvert? Et du coup, la meuf, elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, alors on va un peu moins prendre en charge telle chose, les yeux, je sais pas quoi, nanana, nanana, pour avoir une meilleure prise en charge dentaire. Mes amis, quand je vous dis que je payais une somme pour la mutuelle et en gros, la meuf, elle m'a augmenté ma somme alors que, genre, elle était en mode non, mais ça va rien changer dans l'abonnement. Voilà, comme un con maintenant à payer des sommes extraordinaires alors que, voilà, je vais demander tout ça. Et en plus, ils ont rajouté, en plus, dans in my bag, genre dans mon dos, les hypocrites, ils m'ont rajouté assurance d'essai. Prévenez-moi. Ils mettent une assurance d'essai, mais je suis pas au courant, genre. Ouais, c'est ça, c'est la protection. Et du coup, même ça, on n'était pas au courant parce que moi, j'ai pas pris de. On n'a jamais pris ça. Non, maman, on devrait même attaquer pour ça. Parce que c'est pas normal qu'on paye des choses qu'on n'a pas demandé. Je comprends. Le problème, c'est que je suis pas la conseillère commerciale, si vous voulez, qu'il a eu à l'époque. Mm-hmm. Donc, malheureusement, moi, à part vous expliquer les modalités de résiliation et essayer d'arranger au mieux la situation. Who's here when I come around? You don't wanna post up. Hey yo! On a commencé à quelle heure là? 6h20. Faut dire la vérité. Je me suis réveillée même à 4h du matin. It's complicated. Yeah. On travaille pour un tournage. It's early morning day. Very early. Yeah. Non, j'aime trop ta lampe. Hein. C'est trop tard.
The skin is giving. Ah non, parce que je peux te mettre un éclairage un peu plus avantageux. Un peu plus doré sur l'œil. Oh là là. Ma joie. Ma joie. Le travail est installé. Moi, je suis là. Sur le petit. La oui, petite tablette. Oui, la servi, pour moi, ça donne. Ça donne. Le petit cabinet. Et voilà. Nous allons travailler et puis. Ouais, Gabi. Inessa, tu te sens comment avec Gabi? Je me sens très bien entre de bonnes mains. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'as appelé? Moi, je comprends pas. Je me sens très bon coiffeur. Pourquoi tu m'as pas appelé moi en fait? Je m'en rends pas en vrai. Moi, j'ai envie de faire ça en fait. Gabi, t'es stressé toi? De ouais. Non, tranquille, c'est la routine en vrai. Ouais, c'est la routine. Donc, surprise, this is the girl. Hé, ça fait bien! Ma belle, ça m'a envoyé des... C'est d'art, moi j'aime bien les ensembles comme ça. Waouh! Maria! Ouais, trop sexy, trop violent, genre. En présence de Ashley de Shadow. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça? Si, je suis dans la vidéo, mais je regarde pas. Pourquoi je montre mon mari, toi? C'est secret. Ah bon? Allez la voir. Elle cherche de nouveaux talents, elle est fatiguée. Je blague! Tu m'attends, ma jambe. Je peux pas faire la bise à Yanis, sinon je vais faire un bombard. Ah non, hé! Hey. Attention à mes cheveux, en plus il pleut. Oui, mais non. Oh là là. Les gars, j'ai fini, wesh. Trop bien, je pensais que ça allait durer toute la journée, mais du coup ça dure pas toute la journée. Par contre, je vous jure, Théma, la pluie, les gars, il pleut. Je suis un peu effrayée parce que je me dis juste les cheveux, quoi. Mais bon, normalement, je suis coiffeur de star, c'est censé aller. Ça va bien se passer. Allez, on se taille. Les gars, Farida aujourd'hui elle est venue chez moi pour filmer. J'ai rien fait d'intéressant. J'ai fait du montage sur le vlog que vous êtes en train de regarder actuellement. Et, c'est bien, c'est intéressant. C'est très d'art, oui, mais j'ai pas fait des trucs concurrés. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Là, on s'est dit quoi? Vas-y, on est fatigué. On est des gens jeunes. On va manger une nourriture de jeunes. Donc, on va partir manger au McDo en fait. Là, c'est salé, hein. Comme j'aime là. Vous ratez. Et après, les gars, au programme, lavage car wash de voiture. Ça va péter. Car wash. Là, ça Gabi a poil au car wash. Qui a poil? Non, pas imbécile. Les personnes vont se mettre à poil. Moi, j'ai pas encore le corps que je veux. Ben si. Mais à tout moment. Body positif. Quand le body goal sera là. Donc, là, avec ma copine, on va s'asseoir. Donc, on est déjà assis, pardon. On est assis, en fait. On va manger, on va discuter. Dégouche. Et vous allez nous regarder manger, pour le coup. Vous mangez quoi, vous? Nec, hein. Tu m'as saoulé devant le vlog parce que sinon des guerres. Les gars, si vous mangez quelque chose, dites-nous ce que vous mangez, s'il vous plaît. Pendant dites-nous en commentaire, ouais. Dites-nous en commentaire. Ça va nous dire, on mange une salade, ça y est. Si vous mangez des feuilles, c'est pas la peine de nous dire. Hein. Alors. C'est la première fois que je sors avec mon bonnet en satin sur la tête. Ah ouais? Ouais. Moi, je sors tout le temps avec. I know! You are my inspiration in life. Hein. Mm-hmm. Would be to be happy. Monsieur, you're pretty good. What's new? It doesn't matter. Wash your hands. Fix your teeth. Wesh. Fix your teeth. Tais-toi. Ok. Cette zone behind. Ok. Ah merci parce que j'écoute pas les parce que j'écoute pas les albums en entier. Et là. C'est quoi ça? M'a énervé là. Là je mange. Pour. Soit tu manges, soit tu parles. Là je mange pour combler ma frustration là. Soit tu manges, soit tu parles. Pretty Attendez. Pretty Pourquoi t'es jalouse?
T'es super lourde en fait. Pourquoi t'as pas... J'y arrive pas en fait, jalouse. Pardonne. Vas-y, fais-moi. Ok. Mama said. Mama said. You a pretty girl. Qui a gagné les gars, dites-nous en commentaire. On sait tous que c'est moi. Pardon, je dis I'm so sorry. Les gars. C'est la nature, c'est pauvreté tout. Si vous osez dire qu'elle a gagné. Tu vas rien perdre, tu vas rien dire, tu vas rien faire. Ils vont voir. Ils vont voir. Pretty. Donnez-moi une autre chanson. Ah merde, ouais. T'es super con. J'allais chanter là, c'est mon histoire. Une autre chanson. Six and chills. God damn. Six and chills. She walked in the club like nobody been a... God damn. T'as entendu? Entendu what? Attends. Putain, en fait, les gars, je sais pas. D'habitude, je chante mieux que ça, mais là, j'ai pas bien digéré. She's talking money, money everywhere she goes. Mm-hmm, yeah. She makes it up the hill when the hell is seen. Alors, t'arrives à faire ça, toi? Mmh, vas-y, fais voir. Moi, c'est mieux. Mmh. She's standing by the money. Shut the fuck up! En fait, les gars, à la base, je suis quelqu'un qui chante, d'accord? Shut the fuck. Mais c'est juste que là... Après, c'est juste que là, il sait qu'il peut pas me battre. C'est donc, l'imprévu. On sait qu'on peut pas se battre, on se là, tait, c'est l'imprévu. Se non, moi, je peux chanter, ma belle. On a fait notre jeu du karaoké, on a fait une battle. J'ai clairement gagné. Shut the fuck up. J'ai gagné, ma belle. En haut, là, près du cimetière. Ouais. Bah, c'est près du cimetière, ça. C'est où? C'est quoi l'adresse? Donc là, maintenant, on va faire une... C'est loin, ouais. Non, après, on va faire une autre activité nocturne. On va aller laver la voiture de Farida. Bon, du coup, nous sommes arrivés au car wash. Farida, elle était faire de la monnaie pour qu'on passe aspirateur. Parce que moi, elle m'a mis dans une... Elle m'a embarqué dans... Elle m'a fait un traquenard, là, en fait. Je viens de me rendre compte parce que, en fait... Moi, j'ai dit je voulais laver avec le Karcher en mode de faire le... Car wash. Et en fait, là, elle me parle de passer l'aspirateur. L'aspirateur. Yeah, watch me. On est outside, en fait, on est dehors. We outside. YOLO. YOLO. De quoi? T'as jamais fait? D'habitude, j'ai toujours quelqu'un qui me le fait. Et ben, waouh. La princesse, quoi. C'est horrible. T'es tout maître. Non, mais c'est quoi le délire, là? Mais ma belle, voilà, tu tapes. Non, mais après, ça va aller sur mon visage, parce que j'ai des petits bras. Genre, t'as vu, ma tête, elle est grave prolifique. Étant donné que je suis un passager premium de cette voiture... Je suis son chauffeur, en fait. Ouais. Je suis un passager premium. J'aide au nettoyage. Farida, prends-en de la graine. Purée, tu vois, toi, c'est passé parce que c'est grave pas, tu vois, ouais. Les gars, là, on va dans ma partie préférée. On va faire la partie que j'attends depuis. Oh my god! Ma belle, depuis là, allez, je suis pressée. Ok. Ah, ça, c'est des pièces de lavage. Bah oui, c'est des voleurs. Hein. On peut pas aller acheter le pain. Oui, mais c'est ça. Tiens, tu veux. Bon, ah, ça récord. Oh my god, je ressemble à un petit caniche. Là, Gabi, il est en train de laver la voiture. Je sais pas si vous allez voir. Là, il est en train de faire son job. Trop happy. Oh wow. J'aime trop. C'est trop satisfaisant. Yo, la Gabi. Ah. Oh. Il est là. Très concentré. Jeu d'acteur en français, ça peur. C'était trop bien. Franchement, ouais, j'ai aimé laver la voiture. On s'en va. Bon, ça bah, ok. Part. Bon, les gars, on rentre. Ça part, les gars, on rentre chez nous. On a passé un bon moment. Et puis, see you tomorrow, finalement. Ouais. Yo guys! Donc là les gars, je me répare parce que je vais faire un... Je sais pas si c'est un podcast ou si c'est une vidéo YouTube. Est-ce que c'est pas même les deux? Je sais pas, bref. En tout cas, j'ai filmé une vidéo avec Clélia. Clélia, j'écoute. Et ça, donc là, je me répare pour ça. J'ai fait ma coiffure parce que... Yeah! Je vais... Hey, j'aime trop ma coupe comme ça, j'aime trop... Là, je me suis rasé et tout. Hey. Dans le... J'ai envie de faire une petite tenue sympa, mais comme je suis pas quelqu'un qui a du style, vous avez pu apercevoir le style, hein. Je pense que je vais essayer de faire un truc simple, mais qui va rendre bien, parce que là, honnêtement... Donc là, je vais mettre un peu de Beyoncé pour me préparer. Oh, en plus, Beyoncé, elle a annoncé qu'elle sortait un film aujourd'hui. Oh là là! Franchement, le 1er décembre 2023, on est là-bas. Et que surtout, le problème du punaise de lit sera réglé. Quand on vous dit, quand vous sortez des transports et tout, ne vous affalez pas sur votre lit avec vos vêtements de quand vous étiez dehors. Enlevez! Enlevez! On enlève! Gabriana, let's go! Move out the way!
Voilà la tenue que j'ai décidé de porter. C'est un ensemble en jean de chez ASOS que j'avais acheté il y a longtemps. J'avais pour le concert de Beyoncé, c'était trop tard. Allez, on se taille. Les gars, je suis arrivée chez Clélia. It's me. En fait, c'est un podcast ou c'est genre une vidéo c'est, ou c'est les deux? C'est un podcast vidéo. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, genre Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast. Mais si ils veulent aussi voir nos têtes, c'est sur YouTube. Donc on va parler de... On va faire un Dr. Love. On va faire un Dr. Love. Ouais, des conseils de love. Ouais, franchement, j'ai même pas été une fois en couple dans ma vie, mais bon. Français, Oulingala, Isaï, Sukuling. J'ai bien dit. Eh, je te mets 9,5. Period. Ba, Nazada, camarade, Nayoté, en fait. Les gars, en gros, on vient de finir de filmer. Il y avait 20 histoires, on a pu en traiter que 5. Parce qu'on a tellement parlé de nos vies à nous perso aussi, genre, que du coup, on a lu vraiment que 5 histoires. Et après, bon, les gens, ils ont vraiment détaillé leurs histoires en mode. Hey, jusqu'au bout. C'était hyper détaillé. Eh non, mais laisse tomber, c'était des paragraphes comme ça. Attendez, je vous montre. Genre, c'était des trucs. Est-ce qu'on voit là? On voit, ok. Genre des grands paragraphes des comme grands ça. Des grands paragraphes. Et du coup, voilà. C'était grave cool, j'ai grave kiffé. C'était trop bien. C'était trop bien, je suis content d'avoir fait ça avec toi. T'as vu, moi aussi. J'avais jamais fait. Mais franchement, faut qu'on refasse. Franchement, on va refaire. C'est trop bien, c'est pas mal. Hein. C'était grave cool. J'aime bien. Hein. Gabi Docteur Love. Hein. Ouais. Bon, bah, du coup, voilà, on a fini avec ma copine. Ouais! Gabi Q-Wack.